Bon, Sergio. Bonne nuit, tranquille. Il fait un peu frais ce matin. Là, le plan aujourd'hui, c'est arriver à la frontière. Suivre encore le chemin de fer. Et arriver à Binda. Binda, c'est la ville qui est à côté de la frontière avec les Gabonais. Et faire les formalités et passer côté Gabonais. Mais pour l'instant, un café. Bye bye, Motel Joe. Il fait gris. Il y a du brouillard. C'est pas très chaud. Mais c'est parti. Comment ça s'appelle ici? Monsieur. Oui. Où les trains ne passent plus depuis le Covid. Et avant, ça, ils passaient une fois par semaine. Ça, ce sont les wagons qui amènent de l'essence. C'est ce qu'il m'a dit le gars de l'hôtel. L'ancien gare. Et toi, tu avais travaillé ici? Moi? Ouais, dans le Congo océan. Oui, 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 oui. Avant, ça marchait ce chemin. Et là on est ici, Mungundu Sud. Et voilà la gare qui est abandonnée. De la gare. La résidence du sous-préfet. Mais c'est, on peut passer avec la moto ou pas? Non. Bon, non. La moto, il faut garer quelque part là-haut. Et descendre. D'accord. Mais est-ce que la gare, il y a quelque chose encore à la gare? Je vais aller voir. Il y a beaucoup d'herbes là-bas. Il y a beaucoup d'herbes, hein? Personne n'y va. Tout est abandonné. Hein? Pas loin, c'est juste là. C'est juste là? Ah, ouais. Je vais avancer un petit peu alors. Merci. La gare abandonnée. C'est pas facile. Hein? Le train, il passe pas tous les jours ici. Hein? Voici la gare. Un peu abandonné. Pas beaucoup de trains qui passent. Mungundu. Le dernier train est passé il y a longtemps. Ça rigole? Bonjour. Bonjour, ça va? Mm. Oh, elle est belle, c'est petite. Comment vous appelez? Il s'appelle Marianne. Marianne. Gloire. Gloire. Pascal. Pascal. Belle vie. Belle vie. Saint. Saint. Ok, enchanté. Enchanté. Moi, je vais vers les Gabon. Mmh. Vous êtes français. Oui. Pont. Un joli pont de blues. Un joli pont. Un blues. Un très beau pont. Avec un pont du chemin de fer à côté. Et là, il y avait un bac avec un câble. Ça, c'est un bac. Un peu de maintenance, des sélecteurs qui
des sélecteurs qui se desserrent. Beaucoup de trous. La piste là, elle est moins bonne déjà. On est à 50 km de la frontière du Gabon. Ça se voit qu'on est loin parce que la piste est moins entretenue. La moto souffre un peu plus. Mais bon, à part ça, tout va bien. Il n'y a pas que le sélecteur qui se dessert. Il faut vérifier parce qu'il y a toujours des choses qui... Des choses qui prennent du jeu, qui se dessert. Et quand on s'aperçoit, des fois, c'est trop tard. Il y a encore des gommiers. Par ici. Mais je suis équipé pour la poussière. Et voilà. Masque et lunettes. Casque. Musique. On est bon. On y va. 50 km à la frontière. Ça, c'est la course. Putain, c'est rapide. Ouais, il fait la route un peu. Avec les machines toutes un peu. La piste par ici, elle est moins belle. On est à 20 km de Vinda, mais la piste, il y a des grosses ornières, des montées, des descentes. Faut les cool. Contrôle de police à 15 km de Vinda. Documentation et tout ça. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Ça va? Ça va. La piste est bonne à Vinda? Oh non, c'est pas loin encore. C'est pas loin. Hein? Oh. Beaucoup d'ornières, mais il faut négocier. Ça passe. Parce que la KTM est fantastique. Un autre pont, très beau pont, mais on passe à côté. En saison 6, ça va. En saison de pluie, ça va être compliqué. Bonjour. Donc là, je vais essayer de trouver la police, voir s'il y a immigration ici ou pas. Essence. Bonjour. Bonjour. La frontière c'est là. C'est par là. Et la police est où? La police en bas. C'est passé là. C'est passé. Non, je suis monté par là. Je viens passer par là. Ouais. La police est là. La police est là-bas. Justement en face de. Vous descendez là. L'école après. Ok. 5. 5 litres. Je vais aller voir la police. Et voilà. Ça, c'est l'essence. On a fait 8 litres. 7 litres, il y en a full. Ok, enregistrement. Okay. La police ici. Au revoir. Normalement, on est enregistré. Maintenant, il faut aller à la frontière. Voilà, 7 km. Et on arrive au Gabon. Hey, hey. La frontière entre le Gabon et le Congo. Enregistrement côté congolais c'est fait, maintenant c'est côté gabonais. C'est la fête, on est samedi. Enregistré, ok, côté gabonais. Je suis enregistré, donc maintenant il faut récupérer la moto. Là c'est la frontière. La fameuse frontière.
Gabon Congo. Avec la musique, c'est la fête. Au Gabon, ouais. Tu parles quoi là-bas? J'habite là-bas. Ah, t'habites là-bas? J'habite à Port-Chéti. Ah, bon, bon voyage. Merci. Et vous, toi, tu vas où? Tu vas voir tout le monde là-bas. Et toi, tu vas où? Je vais au Congo. Et toi, tu es gabonais? Non, je suis congolais. Donc, tu restes chez toi aussi? Oui, je vais. Mais il faut dire bonjour aussi à tout le monde. Merci. Ok, allez, au revoir. Bon route, hein. Merci. Ok, on passe. Merci. Au revoir. Gabon. C'est bon? Au revoir. Et voilà, c'était très facile. Très facile. Même pas impéditeur. Immigration gabonaise, congolaise, pardon. La douane congolaise. J'ai laissé mon passe avant que j'avais du Congo, j'ai laissé ici. Après, côté gabonais, juste un enregistrement. Et les passeports, ça va être fait d'ici 40 km à Bakumba. Et voilà, on est au Gabon! Ça, c'est le fameux téléphérique qui a amené les manganèses de Moanda au Gabon jusqu'à la frontière congolaise, Binda, où on vient de passer. Là, ça prenait le train et ça partait à Pointe-Noire. Donc, 500 km côté congolais, une centaine de kilomètres de téléphérique côté gabonais. Et ça a marché jusqu'à dans les années 80, quand le Gabon a construit une ligne de chemin de fer transgabonais pour exporter les manganèses de son côté vers Libreville. Ok, merci, au revoir. Ok, merci, au revoir. Frontière du Congo, 15 km. Ça, c'est à gauche, c'est la route qui va à Koulamoutou. Et là, c'est la route qui va à Bakumba, 28. Il ne s'écarte pas, hein. Un joli pont en fer qui doit dater de l'époque. Un pont baillé. C'est chouette quand même. C'est pas mal. Un pont baillé et un pont plus ancien. Comment tu as dit que ça s'est appelé ici? Les Bombis. Les Bombis. Et ça, c'est l'ancien pont. Ah, c'est l'ancien, le vieux. Le vieux, hein? Le vieux est là-bas. Hein. Voilà, ici c'est l'immigration. On va faire tamponner le passeport. Et voilà, tampon gabonais fait à la gendarmerie ici à Bakumba. Maintenant on va essayer de continuer. Voilà, on va voir si on peut aller là-bas. Je ne sais pas. Et l'ancien téléphérique. Parc de la Lekedi. Ça c'est l'ancien téléphérique. La route du manganèse. Et voilà, on est à Moanda.